Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max, la chaîne du Japap et du Béré. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner les infos là sur Mu et Dug. Ah ouais, ouais. Ah yeah. Nous les soi-disant blogueurs, vous savez que pour nous ça sort comme ça sort. Hein. Les journalistes en formation, ça sort comme ça sort. Prenez-nous comme ça là, oui. Axel Meryl a posté sur sa page. Vous savez que maintenant, Axel poste plus sur Facebook que sur TikTok. Je ne sais pas ce qui se passe avec TikTok. Tout le monde fuit. Je vois les reines, elles balancent les... comment on appelle reines de Saba. C'est parce que les gens qui disaient que, oh, ils ne vivent pas de TikTok. Hein, ils sont là, oui. Maintenant, comme TikTok ne paye plus, ils se rabattent maintenant sur Facebook et YouTube. Oui. Ils reviennent à nous retrouver dans notre YouTube. Que nous on est là depuis, on connaît choisir notre équipe. Tu choisis l'équipe qui gagne, tu continues avec. C'est ça, on dit avoir le cerveau, avoir la perspective. On est là sur YouTube depuis, j'ai dit que je ne bouge pas. Je suis même sur TikTok, je publie là, mais je publie plus sur YouTube, c'est comme ça. Ah ouais. Donc Axel publie plus sur Facebook maintenant. Donc... j'ai recueilli une information. Bon, que en seulement 2 jours qu'il a sorti l'album, il a déjà son titre qui est sur la playlist anglophone de l'Afrique. La première fois qu'il fout la playlist anglophone. Donc, il est classé avec les sons, les Nadja là, non, les sons des Nigériens là, des vidéos, tout ça là, dans la playlist anglophone. Oui, pourquoi? Avec son son, il a fait le remix de ça avec Kamido. Vous connaissez Kamido? Kamido, c'est celui qui chante Sugarcane, son titre qui a fait mouche comme ça là. Il avait été en compétition avec Ashake, le Libyanka, pour le BET Award là. Vous vous souvenez? Et que Libyanka a gagné là. Oui, quand Ashake était sorti, il s'est plaint de que, wow, que les Camerounais mettent ses sons en boucle. Pourquoi Libyanka a gagné le titre là? Oui. Camille Dola était parmi ceux qui postulaient pour ce truc-là. Lui, il a pris ça sportivement. C'est à chaque... comme il a la grosse bouche, il est sorti là pour gueuler. Vous comprenez un peu? Donc, oui, Camille Dola, celui qui chante « I wanna live with you ». Vous ne connaissez pas la chanson là. Vous connaissez ce que « I wanna live with you ». Vraiment. Un son que... Non. Le son, quand il suit le son là pour la première fois. Oh... oui, donc il a fait le remix de ça, de Lélé, ça va péter là, oui, avec Kamido. Kamido est entré, il a chouinté la chanson. Oui, il a chouinté, il a dead ça. Oui, c'est dans la playlist anglophone. Ah oui. Le petit frère là, il ne vient pas petit, hein. Il ne vient pas petit. Cela, il vient en force. Il ne vient pas petit. D'où, tu vois, là, il y a maintenant les jaloux. Même ses propres, ses propres collègues béninois, chanteurs, le jalouse. Oui, il jalouse l'enfant. Que celui-ci sort d'où? Vous venez maintenant, hein, viens, nous, on est là dans le game depuis. Oui, il est là, il vient là, il fait là. Ouais, mais il fait même machin truc, casino et tout. Il y a les gens qui n'ont pas encore pardonné pour l'affaire de qui n'a pas mis la Japiano là, oui. Mais il paraît, j'ai reçu un petit scoop qu'il y a un petit problème avec Jix, avec le son, avec la Japiano là. Il y a un petit problème au Bénin avec ça. Donc, j'ai pas voulu faire la vidéo sur ça parce que on n'est pas sûr. Oui, j'ai lu ça dans un commentaire sur ma page. Je suis parti sur Facebook. J'ai vu un petit truc aussi comme ça là. Mais j'attends. Ça va finir par sortir. Quand la vraie raison, oui, de l'omission de Jix et X-Time au concert va sortir. Ça va venir, non? Ils vont sortir. Ils même finissent par sortir. Ils viennent nous dire la vérité. C'est comme ça. Quand ça va, la vérité va sortir. Quand ça va péter, je vais venir vous dire. C'est pas bien que je commence à tenir les propos maintenant, là, que ce qui ne sont pas vérifiés, quoi. Mais il y a quelque chose, quand j'ai dit, comment il peut oublier Jix? Vous pensez que c'est possible? On a oublié, on l'a omis du truc.
Et il dit quoi? Au jaloux, il dit quoi? La première personne qui m'a dit ça, m'a dit que, aïe, Arcel a mal fait. C'est mon ami qui m'a dit ça, c'est Arcel a mal fait. J'ai dit, non. J'ai dit à la personne là que, Arcel, oubliez de faire passer le son là. Pourtant, ces derniers temps-ci, c'est son son qui a le plus fait mal. Oui, même plus que, je ne suis pas après, même plus que ça. Ça a chointé plus que ça. Oui, je ne suis pas après, même plus que ça. Ça a chointé plus que ça. Et comment il va oublier de faire passer ça? Je lui ai dit qu'il y a les embrouilles quelque part là. Moi, mon instinct ne me trompe pas. Je lui ai une fois dit, il y a les embrouilles quelque part. Il ne veut pas nous dire la vérité. Oh, je m'excuse, mon machin, mais il y a des embrouilles quelque part. Le fond de l'histoire là va finir par sortir. Mais en tout cas, on félicite Arcel pour avoir rejoint la playlist anglophone africaine. Ah ouais, vous savez que la playlist anglophone, c'est la top. Oui, c'est la top liste. C'est là-bas, il y a les artistes A-list. Comme on dit là, les A-list, les grands artistes africains. Oui, c'est la liste anglophone. Eh, la famille, oui. Vous qui êtes de l'Afrique francophone, là, ne soyez pas mécontents, hein, parce qu'on dit que la playlist anglophone est supérieure, c'est nettement supérieur. Oui, c'est vrai. Les réalités sont les réalités. Mais la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Arcel vient de faire partie de cette liste. Il sait pourquoi il a fait ça. Le petit là est technique. Voilà le titre titulaire qu'il a chanté, le Mbalak, avec Bass, Tiung et Nia Gisela. La petite là, il connaît. Il sait que maintenant, dans une playlist sénégalaise, là, on va mettre là-bas. Même les Sénégalais vont maintenant faire le challenge de ça. Il a, en tout cas, le Sénégal disait que c'est d'abord son deuxième pays. C'est ça. Le Sénégal, c'est son deuxième pays. Et le Cameroun, c'est son troisième pays. Vous comprenez, non? Il n'a pas dit ça, mais moi, je lui dis que, Arcel, ton troisième pays, c'est le Cameroun. Tu y as, non? On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et à sa pronto. Surtout, ne mettez pas les organes.